ça va marcher. Billy Roca, j'ai repris. C'est bon, j'ai repris. C'est bon. J'ai repris. Ok, alors j'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien. Je suis désolé d'avoir coupé le live en pleine discussion des gens, enfin machin. Voilà quoi. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette avec mon PC. Le truc ça fiche pas. Enfin ouais, ouais, je ne pourrais pas vous expliquer parce que même moi je ne sais pas ce que c'est. C'est bizarre. C'est, en fait, ça décolle. Quoi. Voilà. Là, il n'y avait pas moyen de remettre le Twitter. Oh putain. Je suis en train de parler, il n'y a personne. Je suis en train de parler, j'ai oublié d'allumer le micro. ça m'est arrivé tout à l'heure pareil, mais c'est même tout à l'heure, c'était le bug. j'ai oublié d'allumer le micro. Billy Roca, je te dis bonjour. Bon, je pense que t'es parti. Hein. Vu que ça a coupé. Et ça a coupé. Ça a coupé bêtement. Hein. Je ne sais pas d'où vient le problème. Hein. Bon. Luminosité, on va mettre un petit peu plus. Attends, que ce curseur. Que le curseur. Quel curseur ? Jusqu'à ce que l'œil soit à peine visible. Oui, mais bon. Sur Twitch, ouais, voilà, sur Twitch, on voit pas la même luminosité. C'est ce que je vois sur l'écran. Moi, je suis sur la télé assez illuminée. Et donc, je suis obligé de vraiment. Voilà, c'est bon. Ok. Ok. Alors là, on est dans un petit jeu. Pas éteindre. Nouvelle partie. Alors, paramètres. Il y a quoi comme paramètres? Luminosité langue française. Luminosité commande. On va aller visiter un peu les commandes. Appeler. Sprinter. Alors, sprinter, c'est ça. D'accord. Lampe torche, quand on en aura une. Sauter, lancer, attaquer. Hisser, s'accroupir. Peut-être je me rappellerai jamais de tout ça. Saisir. Je me rappellerai pas quoi. Je fais le jeu mais je me rappellerai pas. Ok. Je suis vraiment désolé hein. J'ai merdé là. L'ordi a vraiment merdé quoi. C'est même pas moi qui a merdé. Le jeu a. J'étais en plein début et d'un coup coupure. Je sais pas ce qui s'est. Franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé. L'ordi a complètement planté. Le stream ne s'affichait pas, l'OBS n'était pas affiché, enfin, il était mal affiché, enfin, il buguait complet, enfin, je sais pas. Je sais pas, c'est. Voilà quoi. C'était horrible. Alors, se fait ce Little Nightmare. Allez, on y va. On y va pour la première fois. Ah, je sais pas du tout combien durera le live. Hein. Je n'ai aucune idée. Tout dépendra du gameplay et de la durée de mon gameplay. Mais après, ce n'est pas un jeu qui sera très long. Vu que c'est qu'une démo. Hein. Qui dit démo hein. Dit démo très court. Bon, le graphisme il est pas mal. Ouais, il est pas mal. Ah,
Il y a quelque chose qui va se passer là. D'accord. Alors, ça serait un fond 3D assez joli. Par contre. Ah non, mais c'est un 3D. D'accord. Et je voulais savoir. Ah, je crois que c'était un 2D, moi. Pas du tout, c'est un 3D. Je crois que le premier c'était un 3D aussi, non? Je ne sais plus. Je vous l'avais proposé une fois, je crois, mais je sais même pas si je l'ai fait. Je sais même pas. Avec ma tête en l'air. Hein. Ah, problème. On sort, hein? Mais ouais, j'ai pas le choix. Hein. Attaquer, c'est quoi? Je dis que je sais plus. Ah, ça c'est pour appeler. R2. Non. R2. Mais j'ai rien compris. Attendez, j'ai rien compris, je me rappelle même plus. R2 et L, non? Oh là là. Ah ben la merde, on est emmerdé parce que je sais pas, j'ai pas lu ce qu'il y avait écrit. Mais non, c'est pas ça. R2. Ah voilà. Peut-être ça. R2 pour tirer. Et je vais R2, mais comme je fais peut-être pas le bon bouton. Je vous avais dit que ça risque d'être. Oh putain, il peut pas le répéter. Hein. Attendez, on va regarder les commandes parce que je m'en rappelle déjà plus. Les commandes R2. R2 c'est quoi? R2 c'est quoi? Saisir. Il a dit tirer lui. Sacropégicide, non, ah non, on n'a pas besoin. Lampe torche, sauter, lancer, attaquer. Orienter caméra, se déplacer. Peut-être un autre endroit pour aller. Tirer. Peut-être que c'est ça qu'il faut tirer. D'accord. C'est pas sauter, c'est monter, c'est rentrer dedans. L2. C'est bon. On va y arriver à force. Oh là là! Oh, quel endroit? Ah ben non, je suis obligé d'être accroupi. D'accord. Alors, c'était pas monté par-dessus, mais c'était passé par-dessous. Ouais, mais j'ai pas vu le tirer. J'ai vu le tirer, j'ai pas vu, j'ai pas compris ce qu'il appelait tirer. Oui, regardons bien, parce que les informations sont marquées, elles ne seront pas marquées deux fois. Je pense qu'il faut passer vite, non? Je sais pas ce que c'est ça, mais j'ai évité. Ok.
Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est bon, c'est passé. C'est bon. Est-ce que ça se ramasse, ça? Non. Il y a un petit message. Il y a un petit message. Ça s'est vite fait. J'ai repris le live. Allez, 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 message. Ça, c'est quoi ça? Ouais, si j'ai compris. Ouais, mais c'est 3D en fait, hein. Moi, je croyais que c'était un 2D en fait. Je confonds avec Inside. Ben c'est tout con, mais voilà. Un peu, tu montes dessus et tu essayes de monter. Ah, c'était comme moi. Voilà, c'est parti. Il est très joli, hein. Il est très joli. Je crois qu'il faut pas monter, il faut passer par-dessous. Il est super bien fait, hein, franchement. Oui, hein. Voilà, j'ai fait une connerie. Ouais, mais il a pas le temps de courir, si. Hein. Il a pas le temps de courir. Maintenez pour sprinter. Ah, mais ça pète la gueule. Ah, si. Il suffisait de bien le faire. Et je vous avoue que c'était chaud. C'est dommage de se faire écraser par un arbre, hein. C'est bête ça. Hein. Ah, problème. Alors attends, là peut-être qu'il faut que je monte là-haut. Marche pas. Comment on peut faire? Ouais, peut-être par là. Peut-être tout simplement. Ouais, non, mais je fais quoi là? Je fais Zoro là. Si la peine, tout matin. Ah ouais, c'est pas. Non, c'était pas tout à fait ça. Il sautait plus droit. Vraiment, là, je sais pas où elle est la corde. Par rapport à moi. Oh merde, je me suis pété la gueule une deuxième fois, quoi. En plus, là, je me suis pété la gueule bêtement. Bon, monte bien sur le monte de terre, voilà. Sur le rocher. La corde, elle est où? Ah putain!
putain de merde. Pourquoi j'arrive pas à avancer au bon endroit? Allez, monte. Ouais, ben c'est bon, j'ai monté. Je suis monté ici parce que de toute manière, c'est pour sauter sur la corde, non? Ah, quoi que, je sais pas. Ouais, non, la corde, elle me servait à rien en fait. Attends. Attends. Non, non, dans l'autre sens. Je vais... Billy Roca, bonjour, comment vas-tu? Je te demandais tout à l'heure, mais le truc avait déconné, a déconnecté. Ah ouais, là, bon, mais là. Je saute? Je crois que j'ai pas trop mon choix. Ah non, mais tu vois, il fallait pas sauter. Utiliser la corde, je sais pas. Ah ouais, c'est bizarre. Selon où tu sautes. Cher Bieliroca. Savoir bien l'utiliser ce jeu. J'ai remarqué que selon les mouvements que tu fais avec ta manette. Hein. Allez. Merde. Ah, attends. Ah ouais, ça dépend comment tu fais. Ah ouais, ça dépend. C'est un jeu qui serait bien sur PS5, je pense. C'est un jeu qui serait pas mal sur PS5. Avec toutes les sensations des pieds, des trucs comme ça. Des pas, des mouvements et tout. Je pense qu'on pourrait faire un super jeu. Attends, parce que là, il y a un de plan. Mais là, on passe par l'autre côté. Ah non, on peut pas. Ah. Alors, de positionner les objets. Quel objet? Eh ouais, non, parce que là, c'est... Voilà, ouais, je savais que... Ça allait m'arriver. Donc, il faut y trouver une solution. R2 pour saisir les objets. Et L pour la... Ouais, mais là, je... Je sais comment pour monter. R2. Mais non, pas dans ce sens, putain, que t'es con. Bonjour à tous et à toutes. Excusez-moi de... Voilà. Et j'ai évité le piège.
je monte et je peux arriver. Bon, ça va de première fois. Ah putain. Ah, ces petits jeux sympas. Il est sympa. Il est sympa. Le gameplay, ça va. Plus beau quand on le regarde, quand même, il est assez joli. Hein. Faut dire ce qu'il est. Il est assez joli. Monsieur Billy Roca, comment vas-tu? Et Louve Bleu, c'était là aussi, comment vas-tu? Merde, je l'ai pas vu ça. Ah le con. En plus il y a de la place, hein. Je sais pas qu'est-ce que je vais me passer sur les pièges en moi. Hein. Les pièges si je sens juste à côté quand même. Moi je me mets juste sur les pièges. Attends, il faudrait que je lance quelque chose. Pas un truc à récupérer. Sachant que c'est du 3D ça, hein. C'est pas comme Inside. C'est pas du 2D. Faut que je récupère quelque chose. Quoi ? Y'a rien. Un bout de bois et pas. Y'a un truc là. Ah. On peut contourner les pièges, mais celui-là, est... ouais, voilà, celui-là va être difficile. Quoique, on est passé. Ah là, ça sera difficile. Ah mais là, je sais ce qu'il faut faire. Voilà. Et voilà, voilà. Et je fais... Oh, c'est pas au petit lutin, hein. Oh merde. Ah, comme c'est con ça. De se faire attraper. Dernier moment. Parce que j'y pense pas qu'il y a des pièges. Non, attrape-le. Attrape-le. Et pourquoi il le lâche? Il y a des pièges, mais je sais pas où ils sont. Oh putain, mais il y en a partout, quoi. Ah ouais, putain. Allez, il faudrait que je lance des... Pourquoi il a pas lancé? Mais il est con ce truc. Hein. On va essayer de faire le tour. Ok. Ah ouais, d'accord. Mais là, si je vais là, je vais me faire bouffer par les pièges. Putain. Il y a plein de pièges. Hein. Là, je sais pas comment on va faire. Là, il y en a un. Après, je sais pas où il y en a. Hein. Là il y a... Oh putain. Deux, trois. Ah ben maintenant je savais où ils sont placés.
Oh putain! Quelle horreur! C'est horrible ce truc! Eh bien, pourquoi il veut pas l'attraper? Je comprends pas. Il faudrait que je trouve le premier et les trois autres après suivront, mais je sais pas où il est le premier. Non, ça pas piège ça. Je peux pas le lancer. C'est pas sauter qu'il faut que je fasse, c'est le lancer. Putain. Et ben voilà. Je sais pas ce que j'ai fait, mais ce que j'ai fait, je l'ai fait. Ouh, j'ai eu peur. Est-ce qu'il y a d'autres pièges? Et bonne question, ça. Billy Roca. Dis-moi ce que t'en penses, toi. On va savoir. Ce que je comprends pas, c'est que tu peux pas le lancer de suite aussi. Hein. Il y avait d'autres pièges. Il y avait d'autres pièges. Cette fois, je me suis pas fait avoir. Cette fois, je me suis pas fait avoir. En fait, c'est qu'il faut le tenir. Je vais tapisser le truc de boule de ping. Oh putain, le bon qui fait le mec. Ouais, ok. Bon, je crois que là, il n'y a plus de piège de ce côté. Oh putain. Oh là là. Ce côté, il est piégé, hein. Non, y a rien. J'en vois un là de piège. Hein. Ah merde, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais pas faire ça. Merde. Oh putain. Je sais qu'il y en a un alors. Je sais qu'il y en a. Ah, merde, merde. Et j'ai rien pour lancer. J'ai raté le truc pour sauter, mais il y a le piège juste là. Alors. Ah ouais, le problème c'est que j'ai rien pour jeter.
Un peu sombre comme... Il est juste dessous. Ah, j'ai eu de la chance, comme on dit. Oh, ça va mieux. Ça va mieux. On s'est pas dit que ça sorte encore. On n'est pas arrivé au bout, hein. Ah, on arrive dans une maison. Attention parce que la maison, beaucoup de pièges. Non, là, je crois que c'est pas... Non. Je teste, hein. Par là? Pourquoi je peux pas sauter? Ah oui, c'est vrai qu'il faut attraper. Ah oui, j'avais oublié que je faut attraper. Oui. Eh merde, fais pas de bruit. Moi, je prends les portes, je sais pas où je vais, hein. Je vous le dis sincèrement, hein. Oh, jolie musique. J'espère qu'il n'y a pas des droits d'auteur sur cette musique. Ouais, je rigole, mais... Je pense qu'il faut quelque chose pour le détruire, ça. Que si je monte là-haut, j'arriverai à atterrir ici? Ça n'a pas l'air très efficace. On regarde un petit peu, hein. Ouais. Bon, si j'ai bien compris, je peux pas aller plus loin, hein. Et ça, je peux pas l'attraper. Pas être trop discret. Je vous avoue que ça va pas être trop discret de se battre avec une hache. J'espère qu'il y a personne dedans parce que... Après, c'est joli, hein. C'est joli.
Oh putain. Oh là là, comme il m'a eu. Oh le vent qu'il m'a mis. Ça s'appelle mettre un vent. Je peux pas monter plus haut. Ah. Il tribue. Bon, après, c'est les caméras. Oh putain. On va se baisser, hein. C'est des caméras embarquées, hein. Ouais, c'est embarqué. C'est des caméras fixes. Un petit peu comme le jeu qu'on a fait hier. C'est hier? Ou avant-hier, je... Mais si on passait par la porte, on va passer par là. Non? Ben c'est quoi? Eh ouais, mais... La porte est fermée. Trop facile. Ça aurait été trop facile. Bon. Du coup... C'est pas par là. Après, il faut courir, non? En fait, je ne sais rien. Il y a quelqu'un quelque part. Il est passé où l'autre? Oh! Bon, ça, je sais pas ce que c'est. Hein. Ils sont réveillés ceux-là? Mais pas sauter sur eux, putain, t'es con. Est-ce que j'arrive pas à sauter là? Alors, discret, hein. Ah voilà. C'est suspense. J'appuie sur R2. Kurokrai, bonjour à toi. Bienvenue sur ce jeu un peu particulier. Bon, c'est une démo. Hein. Merci pour ton hosting. Merci à toi. Ça fait plaisir. Non, je veux pas y monter. Je me suis planté de bouton. Je veux tirer. Et si?
un jeu très... Oh putain. R2 pour vous hisser, faire hisser. D'accord. D'accord, d'accord. Ok. Je comprends mieux maintenant. Alors c'est une démo, hein. C'est une démo qui... Ouais, ça va, moi, ça va. Comment va le chat? Je sais pas. Ils ont l'air d'aller bien. Ils ont l'air d'aller bien, tout le monde. Et tous ceux qui sont là, qui passent, qui viennent passer la soirée. Pas la soirée. Ouais, il faut que je le sorte, ça. Attends, on va faire ça. Mais non, pas monter. Ah, il con. Ah, t'as tout compris. T'as tout compris, Bouffy. Bah, hier, on a fait Man of Medan. Je sais pas si tu connais Man of Medan. C'est un jeu d'horreur narratif avec interaction, etc. quoi. Très très bon jeu, on a presque fini d'ailleurs. La deuxième partie sera... aura lieu la semaine prochaine. Ouais, vas-y, fais-moi le la courte échelle. Ils se comprennent bien quand même, hein. Oui, non, là il faut que je descende par là. Hein, parce que... Mais je comprends pas pourquoi on passe par là. Pour aller où? Oh putain, c'est quoi cette horreur? D'accord, je regarderai. Ben, je regarderai puis. Comme on en a déjà parlé. Ouais. Ah, tu peux regarder, ouais. Il est bien. Hein. Il fait peur quand même, Man of Medan. Ok, c'est fou, l'autre il vient plus. Parce que là j'ai besoin de quelqu'un pour monter. Je sais pas du tout. Je sais pas quoi faire. Si, peut-être je vais trouver. Putain, mais c'est pas vrai. Quand je suis en face le truc, il attrape pas. Oh merde. Chiant. Et le gamin, il est où? Il m'a fait monter là pour quoi faire? Aïe! Oh, chiant. C'est moi, je peux pas monter plus haut. Je connaissais pas un collègue m'a dit le prendre. Quand je connaissais pas, je ne voulais pas car j'étais pas sûr d'aimer. Franchement, il est bien. Bon, après, il faut aimer ce genre de jeu aussi, hein. C'est du interactif, hein. Ça fait plus film qu'autre chose. Ça fait énormément film. Hein.
Peut-être qu'il faut monter là. Putain. Lui. Eh bien, pourquoi ça monte pas? Il y a sûrement une raison. Allez, allez. Je vais monter là-haut, mais en fait, je sais pas à quoi ça me servirait de monter là-haut. Moi, je peux rien faire. Bon, en gros, il m'a mené jusqu'ici pour rien, quoi. Il m'a amené ici jusque pour rien. Y a rien à faire ici. Ah, on peut rien faire. On peut pas monter là-haut. De toute manière, ça mène où là-haut? Comme c'est des caméras fixes, on peut pas tourner la caméra comme on veut. On repart. Parce que j'ai compris, je suis allé ici pour rien. Il n'y a rien à faire là. J'espère. Le gamin, il me suit pas en plus alors. Non, mais je veux pas y aller. À moins qu'il y ait un autre endroit à aller. Après, non, là, ça n'a pas bien marché. J'ai oublié de m'accrocher. Ah ouais, à moins que ce soit par là. Et je fais quoi là? Je peux pas passer par là. Moi je voulais monter plus haut mais on peut pas y bloquer. Bizarre ce truc hein. Ah pour le temps qu'on a commencé en plus. Ouais là, mais je comprends pas. Hein. Ça je peux pas le tirer. Non, je peux rien faire là, je sais pas pourquoi il m'amène ici. Moi je veux bien monter là-haut, mais je peux pas y monter. Mais que tu passes dessous. Ah, y'a rien. En plus, la caméra c'est galère hein, pour. Putain, mais c'est un truc de fou. C'est galère, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, je comprends pas. Là, j'avoue, je comprends pas. Non mais j'y vais. Je sais pas. Bon. On va pas rester là planté là comme un con. Il y a un truc là, il y a sûrement quelque chose à faire là. Je comprends pas pourquoi il veut me faire monter si haut. Il attend pas juste que tu te lèves le gamin. De quoi? Il attend pas juste que tu le relèves. Que je le relève. Et comment je fais pour le relever?
Peut-être, ouais, mais je vois pas comment je peux faire. Ah non, ça marche pas. Hein. Bon, déjà, on a défié tous les pièges. Bon, on est mort quelquefois, hein, ça. Mais là, je vois pas, hein. Tu crois ça, toi? Non, il fait rien. Ah, je peux pas l'attraper. Non, je passais aussi moi. Je sais pas, je connais pas, mais je le fais quand tu es côté. Il te propose de faire la courte échelle et après que tu descends, tu vas un peu plus loin, il te suit. Ouais. Non mais je sais pas. D'ailleurs, il n'y a rien à faire de ce côté. Je vois pas pourquoi il m'a amené ici. Il y a une clé en hauteur. Ouais, mais comment tu veux y aller à la clé? Je peux pas y aller là-haut. Je peux pas y aller. Pardon. Bon, jusqu'à la valise, on y est arrivé. Non, alors c'est pas là qu'il faut aller. Je sais pas. Ouais, non, mais tu montes. Bon, là, si je descends, ça mène nulle part. Et je peux pas monter plus haut. Il y avait une clé pendue quand même. Je sais pas si tu l'as vu. Bon. Ça sert à quoi? Je suis en train de réfléchir. Hein. Je vais essayer un truc. Ça, tu peux pas l'attraper. Si? Personne ne fait. Tiens, Manuel, faut que tu. Ouais, c'est ce que je suis en train de poser la question. J'ai perdu la manivelle. Je me demande si c'est pas ça. Ah, ça serait con, ouais, mais. Je me demande si t'as pas raison. Tu me donnes une indice, parce que là, je vois que la solution, c'est. Ben, la personne, c'est une espèce de vieille poupée, là. Comme je t'ai dit, il y a une clé. Je viens de la voir maintenant. Voilà. Ah, ouais. C'est le gamin qui le fait. Il faut que je l'aide. Allez, attrape. Je peux pas le toucher, moi, cette clé, ce truc.
Et tu penses que je vais sauter de là à là? Ben là où j'y arrive pas. Ouais, c'est ça. Mais bon, j'ai compris. Et Eureka, j'ai trouvé la solution. Eureka! Ouais. En fait, il faut que je saute pour attraper la solution, la clé. Attends, merde, comment je fais pour monter? Voilà. Il monte, il me tire. Ah, mais j'arrive pas à sauter si haut. Il faut que je sois plus haut, ouais. J'ai trouvé la solution. Enfin, j'ai trouvé la solution. Ouais. Bon, tu m'as aidé, hein. La clé est presque aussi grosse que. Mais bon. Maintenant, on va où? Putain, mais il y a des gens pendus et tout, quoi. Ah oui, il faut qu'il me fasse à la facette l'échelle. B. On peut faire peut-être le tour. On peut pas passer par là. Qu'est-ce qu'il fait? On ne fait pas la courte échelle. Allez, GG, allez, GG. Attends, on n'est pas arrivé encore. On n'est pas arrivé. Oh putain, erreur de raison. Bon, alors qu'est-ce qu'il me fait le gamin? Il te fait pas la courte échelle, il doit être fatigué. Ouais, ben. Ouais, mais moi je peux pas monter. Ah, quoi que si, je peux peut-être monter. Et non. Attends. Ah, attends, on peut passer par l'autre côté, peut-être. Non. Ah, pourquoi je peux pas monter dessous? Mais non, dessous j'ai bloqué. Mais on peut pas sortir. On est bloqué là. Ah putain. Le tiroir, tu ne peux pas le tirer? Le tiroir? Tu veux dire que je monte dans le tiroir et après je sorte, ouais, peut-être. Putain de gamin, il aurait pu m'aider quand même. Enfin, il m'a aidé un peu. Hein. Ouais, c'est un bébé. Faut pas être méchant avec lui, c'est un bébé. Ouais. Il est pas mal le jeu en lui-même, hein. Oh putain. J'ai descendu les escaliers un peu vite. J'ai descendu l'échelle un peu vite, hein. Faut reconnaître que. Je pense que la clé c'est là, non? Ouais. Vu la taille de la gueule de la porte. Il faut se barrer de là. Je crois qu'il veut se barrer en courant, non? Merde, où c'est que je suis? C'est pas une bonne idée ce côté. Je me dis qu'on n'est pas passé au bon côté. Attends. Allez. On n'a pas le choix, rien. Bon, ben, c'est plus. Oh, c'est dur. T'imagines la manette PS5, comment on va sentir les sensations? Ouais, bon, ça c'était pas. On fait monter.
Si l'autre il sort, il va me démonter le mec. Ah, j'arrive pas à sauter. Ah, je suis pas gaucher moi. Il arrive pas à sauter ce con. Pourquoi il arrive pas à sauter? Putain, mais il saute pas. Mais j'arrive pas à le faire sauter. Ça, c'est le problème des plateformes, tu vois. Oh là là, où c'est qu'on est? Je pense qu'il faut se baisser et pas faire de bruit. Que tu prends pas assez d'air, ouais. Oh là là, c'est pas bon, c'est pas bon du tout ça. Baisse-toi. Qu'est-ce que c'est ça? Mais baisse-toi, Kono. Qu'est-ce que t'en penses, toi? On prend le risque. Oh. Ouais, on fait comment pour sortir maintenant? On s'est trompé de porte, putain, quel con. Comment on fait pour sortir? Bah, on du sort de ce billardier. Oh le casse-gueule. Oh putain. Mais cours. Ouais bah ouais. Ah ouais, c'était sûr hein. J'étais trop baissé quoi. Quel couillon. Oh putain. On a beau courir, ça marche pas. Mais pourquoi il court pas? Je suis à fond. J'aurais sur le petit moi en fait. Putain d'enfoiré. Ouais non. Pas facile hein. Je trouve qu'il court pas. Ah ouais merde, je croyais qu'il me voyait pas. Putain, j'aurais dû me cacher. Je vais essayer de me cacher pour voir. Ah, ça marche pas. Putain de salopard. De mettre à l'ombre. Oh, mais on peut rien faire quoi. On peut pas se cacher. Encore. Là aussi je me suis tué, putain, mais je ne peux rien faire. Il ne va pas assez vite le personnage que j'ai. C'est chiant. Bastien Patoche pam pam, trop écouté. Il a trop écouté Sébastien Patoche pam 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 pam. Mettez très bien une courte touche. Ah non mais c'est casse-pied, putain. Mais il court pas, j'appuie sur le bouton, il court pas.
Je suis à fond là, je suis sur le bouton, je peux pas appuyer plus fort. Bah ouais, mais l'autre con, qu'est-ce qui se cache là aussi, putain. Je sais pas où me cacher, moi. En fait. Ah, j'y arriverai pas, hein. J'y arriverai pas à ce passage. Hein. Oh, c'est sous là, hein. Là, c'est saoulant, par contre, ce passage. Pas moyen de se planquer quelque part qui ne voit pas. Et là, on peut pas avancer, il est bloqué. Ah ouais, voilà. Je sais pas, je réfléchis s'il n'y a pas une solution. Ah ouais, il tire dans le mur, quoi. Je peux pas. Je suis bloqué chaque fois que je veux aller plus loin, quoi. C'est chiant. Faut que je sois avant lui, avant l'autre. Oh merde! Et comment je pourrais faire? Chaque fois, il te faut prendre que tu te mettes derrière les caisses. Ouais, mais il les explose les caisses. Il les explose les caisses. Donc, je peux pas me mettre derrière les caisses. J'y ai pensé, hein, mais. Regarde, dans quel état il met les caisses. Non, je peux pas. Le gamin, il arrive à s'en sortir, mais moi, j'arrive pas. Il est trop mou, mon personnage. Regarde, je me mets là. Tu vas voir, boum, voilà. Voilà. Là, je fais comment? Voilà, tu vois, c'est pareil. Ça sert à rien. Tiens, s'il y a une autre point petit. Attends. Attends, laisse le mourir là, je m'en fous. Si mais à chaque fois que tu avances, il y a une pour. Petit à petit évoluer dans le parcours. Mais non, tu n'évolues pas, juste toujours au début. Ouais, qui me tue, on n'en parle plus. Et non, parce que là, je peux pas. J'arrive pas à courir. J'appuie, je suis à fond sur mon bouton carré et. Regarde ça, il trottine, quoi. Il devrait aller 10 fois plus vite, quoi. Ah voilà, tu peux pas. Pourtant, je sais qu'on peut, mais. Voilà, là, on tire. Voilà. Ah ouais, mais c'est l'autre qui s'est fait tuer, non? Je sais plus. J'y arrive pas, hein. Tu vois, les caisses, ça sert à rien d'aller sur les caisses. Tu peux pas y aller. Ouais, peut-être que je sois à l'ombre de la lumière. Ah merde. Et que je parte, je sais pas, il faudrait que je trouve une solution. De contourner ou je sais pas. Ah non, je peux pas. Ah putain. Ah il me gomme ce jeu. Il est en train de me gaver là. Non mais je vais y arriver. Au moment ou l'autre on va y arriver. Et j'avoue qu'il me gonfle. Et ouais, je suis contre la lumière. Il faudrait que je sois contre-jour de la lumière, mais je peux pas aller dans le noir. Courir, ouais, tu vois, ça marche pas. Le bouton il marche pas. J'ai vraiment un problème avec mes manettes PS4 moi. Je charge de jeter la PS5 parce que la manette PS4, je crois qu'elle. Tu vois, j'appuie. Là, je suis en train de courir. Voilà, mais ça marche pas. Attends, je débranche la manette. Je la rebranche. On va prendre. Ouais, ben c'est bien ce que je dis, elle déconne. Voilà, là, ça a l'air de marcher bien.
Comment on fait, bordel de merde? Putain, ça me gonfle. On est arrivé jusqu'ici, on va galérer pendant 2 heures à cause de ça. Bon, attends, je fais une pause. Je fais une pause parce que là, là, ça me saoule. Parce que c'est, ça va 5 minutes, mais au bout d'un moment, ça me saoule. Ah, il rigole. C'est pas que la PS4, toutes les manettes, au bout d'un moment, commencent à bugger. Ouais, non, mais j'appuie sur carré, je t'assure. Et le carré, il fonctionne pas, quoi. Et franchement, je sais pas. Normalement, bon, après que tu meurs, c'est normal. Mais c'est pas normal que des moments, comme tout à l'heure, là, j'appuyais et il restait planté, le type. Donc ouais, je sais pas. Je sais pas. Les caisses, c'est bien beau, mais tu te fais exploser sur les caisses. Je sais pas. Ouais, le problème, c'est ça. Hein. Comme j'ai inscrit des connes autorisées, des connes tout le temps. Ah ouais? Ouais, après le jeu il est bien, mais c'est vrai que là ils ont fait un truc un petit peu chaud, hein. Bah, disons que si ça va vite, bon, tu peux, mais. Je sais pas ce que t'en penses, ça. Il faut petit à petit y arriver. Hein. Bon, on va essayer encore une fois. Hein. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Ah, on va reprendre. Moi, c'est mes jeux cycles. Ouais, c'est pas grave, ça fait un peu plus long le jeu. Bon, là, tu vois, je cours. Et tu vois, je peux pas courir plus vite, c'est pas normal, quoi. T'imagines, je peux pas courir plus vite. Alors, après, le gamin. Comme tu dis, c'est les caisses, hein. Tu l'as dit, Bouffi. Ouais, ben, j'arrive pas à me diriger, je sais pas. Ça me gonfle. J'arrive pas, je sais pas. Je suis derrière le gamin et je meurs quand même. En plus, il est sauvage, ce mec. J'arrive pas. Peut-être que dès que je règle la sensibilité plus rapide. Mais je crois pas qu'il y ait de sensibilité dans ce jeu. Ouais. On va voir si je peux pas régler la sensibilité plus rapide. Bon là par exemple c'est la sensibilité qui est pas assez rapide par exemple. Je vais regarder. Ah y'a rien. Y'a pas de sensibilité. Y'a pas de sensibilité. Il y a le volume, ok, ouais, ben sprinter, ça marche pas. Ça marche une fois sur 10. Ah, moi, je le vois pas sprinter, quoi. S'ils appellent ça sprinter. Ah, ça, c'est pas courir, ça. Il est mou qu'il en peut plus, le mec. Tu recrois, il rigole. C'est un foiré. Alors il te suit cet enculé. Hein. Ah merde, chaque fois je me trompe de bonhomme. Oh putain, j'y arriverai pas, putain.
Ah, je vais abandonner, tant pis, je vais juste tomber. On va s'arrêter là, je crois. Dommage, parce que ça, j'aimerais bien quand même finir le jeu, mais je crois que, comme c'est une démo, hein, je vois pas trop l'intérêt de d'aller plus loin. Hein. On sera comme un con après, alors. Ça sera fini. Et je peux pas les guider, putain. Ah, je redébranche la manette, je regarde si... Si j'entends des bruits, c'est rien, c'est j'essaye de voir les joysticks, qu'est-ce qui se passe. C'est la première fois qu'ils me font ça, quoi. Il n'y a que sur ce jeu qu'ils me font ça. Il déconne complet, quoi. C'est, j'ai l'impression que tu... Je dis qu'il déconne tout le temps, ouais. Merde. Allez, c'est reparti. C'est parti ? Tu recrailles ? Non, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il déconne. Ah bah, ah, c'est bon. Attends, on va essayer. 1, 2, 3... Disons que le gamin il part plus vite que moi. Moi j'ai pas le temps d'aller. Ah putain, je me dirige mal. Allez, Roger, je peux pas passer. Je peux pas passer. Je suis obligé d'aller dans les caisses. Hein. Je peux pas passer. Bon, bah écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là. On va arrêter les dégâts. Hein. Comme on dit chez moi. Je vais arrêter les dégâts parce que là, c'est pas la peine. Hein. Je vais passer à côté de lui. Non, c'est pas... Non, mais je crois que j'ai un problème que le système que j'ai là. Bon, mes boutons sont pas accélérés ou je sais pas. Mais... Ah, ça c'était pas intelligent en tout cas. C'était pas intelligent. Bon, là je me cache. Ok. Là je me cache. Ok. Putain, quel con. Eh ouais, putain, mais pourquoi il va si loin? Je sais pas, c'est comment c'est réglé mon système. Donc après, on peut se... Oh là là. On n'y arrivera pas, on n'y arrivera pas. Bon, j'arrête. Je crois que j'arrête. Je sais pas quoi faire, les gars. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je comprends pas pourquoi ça fonctionne mal. J'ai dû avoir un problème avec la manette PS4, je crois. Mais j'en ai pas d'autres, hein. J'ai que celle-là. Hein. J'ai que celle-là. Hein. J'en ai pas d'autre. Hein. Pourtant, dans les autres jeux, j'ai pas trop de problèmes. Par certaines fois, la sensibilité qui est un peu trop rapide, mais ça se règle sur certains FPS. Mais là, il n'y a pas moyen. Quoi. Elle va pas dans la direction où je vais. Quoi. Et on peut pas la régler. On peut pas. Si j'aurais mis une sensi plus rapide, mais... C'est pas la peine, il m'a tué. Attendez, on va essayer encore, mais... Et là, il marche pas, le personnage. Manette, il a plus pas du tout. Normalement, il doit sprinter. Et que ce soit moi le premier.
Voilà. Peut-être on va y arriver, peut-être on va y arriver. Mais je crois que j'ai un problème avec la manette. Kurokoi, il est parti. Il rigole. Il rigolait. Non, mais je pense que c'est possible que j'ai un problème avec le bouton carré. Ouais, mais là, il faut que j'avance. En bas de la lumière. Ben, moi, je pense. Hein. Voilà, j'appuie sur tous les boutons. Hein. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Et je suis vraiment désolé, mais ça m'avait saoulé. Ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. En plus, il te chope au fusil, lui. Hein. Vraiment que je voyais si les boutons déconnent pas trop, hein, parce que je me pose des questions quand même sur la manette. C'est vrai que je m'en sers beaucoup. Hein. Où c'est qu'il faut que j'aille? Parce que là, je sais pas où on doit aller. Hein. Je sais pas où on doit aller, quoi. Je suis baissé. Ça, c'est comme les jeux stratégiques, on fait le radar. Il fait le radar que tu surveilles. Oh putain. Là, il n'y a plus rien d'endroit pour se cacher. Et je suis mort. Putain. Mais j'ai pas la patience des fois. De solo avancer. Dans l'ombre, dans l'ombre. Voilà. Ah. Revenu Kurokoi. Tu es revenu, tu es revenu. En plus, je me suis trompé de trou. Trop avancé parce que... Il faut te baisser, hein. Je savais qu'il durerait plus longtemps, hein, moi, le jeu. Un jeu qui faut 30 minutes, moi, je le fais durer 2 heures. Hein, sur mes techniques. Putain, mais ça m'a énervé, ça. Ce bouton carré, là, tu appuies, et il avance pas, le personnage. Non mais à un moment donné c'était grave quand j'appuyais et le personnage est resté sur place.
l'analogie que j'ai pas, je l'ai, j'ai regardé, c'est marché. En FPS, quand je joue, il marche, mais c'est moi qui ai pas toujours ici. Attention. Putain, mais il a une tête, le mec. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il a une tête horrible, quoi. Là, le fusil, il est plus long que lui, quoi. Oh, 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 oh. Allez, là, si on se fait découvrir, on est mort, hein. Faut qu'on traverse ce caillou, là. Faut qu'on tire de l'autre côté. On va attendre un peu. Regardons, hein. Deux. 5. Parce que 5. Parce que 5. 2. On est juste, juste, hein. Ah ouais, non, j'aurais dû attendre qu'il tourne de l'autre côté, quoi, mon con. J'aurais dû attendre qu'il tourne de l'autre côté. Ouais, on est bien abrité quand même. Ah, j'ai eu le moment où j'ai abandonné, hein. Parce que plus, plus j'avançais, plus ça, ça déconnait, quoi. Ah ouais. Ça fait rager un petit peu, quand même. Alors, on va compter jusqu'à combien on est pour traverser. Avant qu'il fasse le truc. Faut qu'ils viennent là, voilà. On va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Presque 10, hein. Je dirais que c'est chaud. Voilà, c'est bon. C'est bon. Et voilà. Voilà, voilà, voilà. Merci à tous et à toutes. Merci à toi, Korokrai, de m'avoir hosté. Merci pour ce moment difficile. De m'avoir soutenu dans ce moment difficile. Voilà. Voilà, voilà, la démo est finie. Le jeu est terminé pour ce soir. Ça a été épuisant. Ouais, il y a eu un passage qui a été difficile, quoi. Je reconnais que je sais pas. Je sais pas si la manette déconne ou quoi. Je me suis posé la question à un moment donné. Parce que quand même, j'étais appuyé sur carré assez fort. Et bien joué. Merci, merci. Et j'ai eu du mal. j'ai eu du mal. À plus. Bonne journée à toi. Bonne journée à Louve Bleu aussi. Si elle est passée, je sais pas, je l'ai pas vu, j'ai pas vu du tout. J'ai vu Kurokrai qui m'a aidé, qui m'a soutenu dans ces moments difficiles. Ouais, des fois on rage, j'ai un peu ragé. Mais j'ai un peu ragé parce que j'appuyais sur le carré et il se passait rien sur la manette, sur le jeu, et c'était un peu rageant. Voilà, bon, ce jeu est quand même allé spécial, je dirais, spécial. Merci d'avoir joué, hein. Et merci d'avoir suivi ce live.
Voilà, la vidéo aurait duré une trentaine de minutes. Elle a duré 1h30. Ça va, j'ai battu le record. Trois fois plus. 90 minutes. 90 minutes pour un jeu qui dure 1h30. Non, mais bon, j'ai quand même insisté un petit peu, hein, parce que il est possible. Avec la vieillesse de... Bon, la PS4 est pas très vieille pour moi. Mais il est possible qu'elle peut déconner la manette. C'est possible. Je m'en sers souvent pour regarder Netflix, pour regarder YouTube, Twitch. Enfin, tout, je m'en sers de partout. Enfin, je m'en sers pas de partout. Je m'en sers même pour le PC, hein, puisque j'ai pas de manette Xbox. Donc, voilà. Prochain jeu, alors je vous explique un petit peu là, donne, j'ai quelques jeux là qui sont arrivés que j'ai mis un dans le Game Pass, un de Steam et un dans le Game Pass. Gear Tactics, que je vous ferai lundi, qui est très excellent. Alors là, par contre, aussi, on va peut-être un petit peu s'énerver, ou je sais pas, on va peut-être galérer. Mais c'est un jeu qui est bien. Ouais, c'est dans le moyen de Gear, quoi. De Gear 1 et. Enfin, Gear 5, je veux dire, c'est dans le même monde. Bah, vous découvrirez ça quand on y sera. Il y a aussi un autre jeu que j'ai découvert, Ultimate Battle. Je sais plus le nom. Je vais vous dire ça tout de suite parce que je sais plus le nom. Et puis, il y a la découverte aussi de Skellboy que je vous ferai. Qui est un petit jeu 2D. Ou 3D, je sais plus. C'est pas des conneries. Mais qui est sympa, qui était sur Switch. Et que j'ai eu la clé. Donc comme j'ai eu la clé, je vous montrerai ce jeu. J'espère qu'il vous plaira. Hein. J'espère qu'il vous plaira. Enfin bon. J'ai débranché deux fois la manette. Hein. J'ai battu le record. C'est la première fois que ça m'arrive ça. Ça m'arrive pas souvent. Je la débranche jamais en général. Alors c'est Skellboy. Ouais, bon, ça c'est le jeu que. Et l'autre jeu que je vais vous faire repérer, découvrir, c'est UEBS, c'est-à-dire Ultimate Peak Battle Simulator. Voilà. Ça c'est le jeu que je vais vous faire découvrir bientôt. Je sais pas quand. Gear 5, on le fera aussi. On a la suite à faire. On va galérer encore, je suis sûr. J'espère que la manette ne fera pas des siennes. Hein. Et voilà. Non, mais comme des fois je joue à des jeux, des shootings, ou des jeux de karaté, ou des trucs comme ça, les boutons peuvent avoir un peu. Peuvent déconner, c'est possible, c'est une possibilité. Je ne dis pas que c'est ça, mais possible. Parce que je vous dis, je vous assure que tout à l'heure, j'appuyais sur le carré pour courir, et le personnage, il restait debout. C'est tout. Et il courait pas. Donc, je trouvais ça bizarre. Et un peu rageant. Bon, voilà, rager. Mais le live s'est fait, le jeu s'est fait, voilà. Voilà. Bon, je remercie à vous, John Billy Roca. Johnny Billy Roca. Ou John Bolly Roca, Curocry toujours pour son host. Merci à tous. Jean Baillon, je vais vous lancer chez quelqu'un. Ben, je pense qu'il y a Colibria qui stream, donc je vais vous mettre chez Colibria. Et voilà. Je vais vous lancer chez Colibria qui fait sûrement un des jeux intéressants. Colibria. Et moi, je vous dis à la prochaine. Demain, ce soir, non, il n'y a pas de live. Demain, à 21h, avec le jeu Gear Tactics. Merde.
J'ai oublié d'appuyer sur mon truc pour entendre ce qu'on me dit. C'est ça le casier, non? Bon. Merci pour le raid gamer. Bienvenue à toi et tes viewers. Comment ça se passe? Comment ça va? J'espère que tu as eu un bon live. Alors, quelle heure est-il? Je peux rentrer à la maison? Ah, bah il faut une montre. Bracelet. Voilà. On va lui donner une montre, comme ça elle pourrait savoir qu'il peut aller à la maison. Il est temps de partir. Parfait. Et le zombie, il veut quoi? Viens plus près pour interagir avec moi. Hein? J'ai pas très envie. Tu me fais peur, toi. Ça, on va utiliser. Attends, est-ce qu'on peut. Elle a l'air d'être cassée, cette alarme. Ça, il lui faut une pile, par contre, en effet.